Yo mon gars, dans 850. Donc aujourd'hui j'ai un petit souci avec un jeu Steam, hein, ça me casse les bonbons. Ça fait 3 jours que j'essaye de résoudre le petit problème technique, mais le problème étant que ça veut pas résoudre. Attends. Ça vient, voilà, c'est bon. Donc en fait, il y a une icône blanche qui apparaît en bas, donc je sais pas qu'est-ce que j'ai foutu. Au début, j'ai voulu faire de la place dans mes dossiers Steam. Grosse erreur. Du coup, ça m'a fait le bordel. En gros, j'ai une icône blanche qui s'affiche dès que je lance le jeu H1Z1. Donc, en fait, là, tout va bien. On a le jeu en lui-même. On a l'icône dans la barre de tâches. Mais dès qu'on lance le jeu, c'est là que ça commence à se compliquer. Vous allez voir de suite. Ah. 3 jours que j'essaye de résoudre ce problème. Impossible. Oh shit. Je sais que je suis pas un as de l'informatique et que je joue pas sur PC, mais c'est un truc de ouf. Voilà. On a cette icône de merde qui apparaît au lieu de nous garder celle-ci de base. Alors, je comprends pas, les gars. Ah, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Ma parole que c'est relou. Donc si vous savez d'où vient le souci, hein, moi je vais vous montrer ce que j'ai fait pour essayer de résoudre ça. Non, on va aller sur mon bureau. Mais qu'est-ce que je fous là? Je vais aller sur mon bureau Steam. Donc ce que j'ai fait pour essayer de corriger l'erreur. Mais ça n'a pas marché, hein. J'ai créé un raccourci déjà, j'ai changé l'icône, vérifié le cache, j'ai tout fait. J'ai effacé le contenu, je l'ai retéléchargé. Pareil pour Steam, je l'ai désinstallé, réinstallé pour que tous les dossiers soient à jour, vider le cache. Mais il n'y a rien à faire, bordel de merde. Donc, je sais pas où vient le souci, mais en tous les cas, le souci, c'est le launchpad parce que, mince, j'aurais pas dû l'éteindre. J'aurais pas dû le couper. Je vais rouvrir. Pourquoi je l'ai coupé? Ok. Ah, je vais le relancer. Et je vais vous montrer que c'est quand je coupe le launchpad que finalement l'icône va revenir. Mais bien sûr, si je le supprime et après il va plus redémarrer correctement. Donc là, regarde, il y a l'icône en blanc, on est OK. Mais dès que je commence à la supprimer, merde, et là, comme par hasard, ça veut pas. Même si tu t'ouvres en 2 fois aussi, coco. Hein. Ah ouais, c'est normal. Hop, là j'ai supprimé le launchpad. What? Ça marchait avant. Je vais refaire. Je vais refaire. Supprime-le. Voilà. Là, le launchpad est supprimé. Du coup, l'icône du jeu est revenue. Bah alors, mais j'y comprends rien du tout. Et en plus, si je le supprime, et bah du coup, ça n'a pas fonctionné. Puisqu'il en a besoin du launchpad. Donc je suis obligé de le restaurer pour faire un redémarrage. Et dès que je le remets. Bon, là, l'icône, elle est restée comme ça. Mais dès que je vais relancer le game, elle va redevenir en icône blanche. C'est un truc de fou. Oh là 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 là. On va essayer. On va voir si l'icône va apparaître en bas. Normalement, oui, elle va réapparaître à tous les coups. 100%. 100% qu'elle va revenir. Voilà. Bah déjà, voilà. Elle vient. Donc, si vous avez la solution pour résoudre ce putain de problème là de merde que j'ai fouillé dans tous les dossiers, j'ai mis du temps à chercher, j'ai rien trouvé. Oh là 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 là, celui qui trouve la solution, c'est un bon. Merci de m'en tenir informé parce que ça me casse les bonbons. Oh shit, le PC, hein, c'est pas si évident.